Chloé, ça fait plus de presque 3 mois et demi maintenant qu'elle est dans le programme Mission Passion. Et en fait, elle a eu des résultats assez rapides. Et l'idée pour nous, là, c'est de décortiquer comment elle a fait, comment elle en est arrivée à ces résultats pour que vous puissiez vous dire, bah, tiens, ok, c'est intéressant, ça, je vais faire ça, ça, je vais faire ça, tiens, ça, je ne comprends pas. Donc, juste pour vous tenir au courant. Ce sera enregistré, donc la session avec Chloé. Par contre, on aura un temps de questions-réponses après qui ne sera pas enregistré. Donc voilà, le temps avec Chloé sera enregistré, on le partagera éventuellement publiquement. Gardez vos questions pour après notre session. Donc on va commencer par ça. Bah, Chloé, je suis très très content de t'accueillir parmi nous. Tu es vraiment quelqu'un qui a compris les choses très rapidement, qui a la bonne technique, qui a le bon mindset, tu as aussi vécu des challenges. Et ça rend aussi les choses assez intéressantes. On verra si tu veux en parler. Donc, Chloé, si tu veux bien commencer par te présenter, qu'est-ce que tu faisais avant le coaching et pendant que tu fais du coaching? Et après, on rentrera dans le vif du sujet de ton activité. Ça te va? Oui, merci. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 29 ans. J'habite en région parisienne et je suis docteur en biologie et plus spécifiquement en toxicologie. Mon activité salariale, c'est l'évaluation de la sécurité des cosmétiques. Je me suis lancée en tant que coach au mois de janvier. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes pour qu'elles puissent comprendre les signaux de leur corps et se débarrasser de leur acné. Et ça, c'est venu en fait suite à un coaching que j'ai fait au mois d'octobre l'année dernière pour trouver ma mission de vie parce que je ne me retrouvais plus vraiment dans mon travail, même si il y a encore des choses que j'aime aujourd'hui. C'est vrai que il me manquait quelque chose en fait dans ma vie, je ne trouvais plus vraiment de sens. Suite à ce coaching, j'ai réalisé que j'avais un besoin de contribuer qui n'était pas rempli. Et comme moi, j'ai beaucoup souffert de l'acné suite à notamment l'arrêt de ma pilule il y a quelques années, jusqu'à trouver une façon de m'en débarrasser et que j'ai aussi découvert le développement personnel à peu près en même temps. Pour moi, devenir coach de vie avec une spécialité dans l'acné et la santé, c'est venu comme une évidence en fait. Cool. Et dis-nous quels ont été tes premiers défis, tes premiers challenges que tu as rencontrés à partir du moment où tu as pris cette décision? Alors, je dirais que le premier défi pour moi, ça a été d'abord le regard des autres, parce que je me suis lancée sur Instagram d'abord. Bien sûr, j'ai reçu énormément de soutien de la part de mes proches, de la part de mes amis, etc. C'est vrai que assez rapidement, j'ai eu des abonnés sur Instagram, tout ça, de par mes différentes connaissances. Mais il y a eu un moment où tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ma méthode. Donc, j'ai eu quelques petites critiques qui, sans doute, m'ont fait évoluer et qui ont été au final assez positives. Mais ça a été assez dur pour moi parce que déjà, le fait de s'exposer sur Internet pour la première fois, c'est pas forcément évident. Et en plus, se rendre compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça, je dirais que ça a été un challenge. Mon plus gros challenge, ça a été aussi lors des appels stratégiques, lorsque forcément au début ça marche pas, il faut un petit peu de temps pour avoir ses premières ventes, etc. Et le fait d'avoir des refus au début, je le prenais très personnellement. J'avais du mal à me détacher en fait, et justement le fait de se dire que je disais tout à l'heure, c'est que finalement un prospect qui dit non tout de suite, ça veut pas dire qu'il dira non demain, et c'est important de garder des bonnes relations, etc. Mais sur le moment, moi, j'avais toujours un petit peu cette sensation que si on me disait non, ça voulait dire qu'on ne m'aimait pas. J'ai dû travailler là-dessus. Ok. Pourquoi tu as décidé de rejoindre, de te faire accompagner? Donc, tu as été coaché une première fois par une coach. Pourquoi tu as rejoint Mission Passion et pourquoi tu as trouvé ça nécessaire dans le développement de ton activité? Pour moi, c'était une évidence que je devais me faire coacher parce que je n'y connaissais vraiment rien. Je connaissais le développement personnel depuis des années, donc je savais à peu près comment ce que c'était d'être coach.
mais je n'avais jamais fait de formation en coaching. Et puis, tout l'aspect vente, marketing, réseaux sociaux, je connaissais un petit peu, mais de loin, je regardais ça de loin. Et pour moi, j'avais vraiment besoin d'un coup de boost, en fait. Et Mission Passion, en particulier, ça me convenait très bien parce que c'était justement pour les gens qui se lancent, ceux qui partent de zéro. Et j'avais vraiment accès à toutes les connaissances pour pouvoir me lancer et surtout le soutien de par toute l'équipe qu'il y a derrière et tous les coachs, etc. Ok, cool, super, super Chloé. Du coup, raconte-nous comment tu as eu tes premiers clients, c'est arrivé quand, comment et comment tu as procédé. Voilà, sens-toi libre de partager ce que tu as envie de partager. Forcément, dis-toi de base qu'on est curieux et qu'on a envie de tout savoir, mais c'est toi qui vois ce qui te met à l'aise, bien sûr. Oui, alors mes premiers clients, ça s'est fait en plusieurs étapes. Donc déjà pour moi, ça a été la création de mon compte Instagram. Pour moi, vraiment, ça a été primordial parce que ça m'a donné quelque part une autorité et ça m'a permis de parler de sujets, voilà, de santé, de peau et de faire une grosse partie storytelling aussi. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué est qui marchait bien, c'est le fait que les abonnés s'identifient à nous. Quand je racontais mon histoire, j'avais énormément de jeunes filles ou jeunes femmes qui venaient me parler pour me dire qu'elles avaient vécu la même chose ou qu'elles vivaient actuellement la même chose et qu'elles se reconnaissaient beaucoup dans mon discours. Donc ça m'a permis déjà d'avoir mes premiers contacts avec mes abonnés. J'ai fait aussi de la prospection. Donc, où je suis allée discuter avec des femmes directement sur Instagram. Et donc, c'est comme ça que déjà que j'ai eu mes premiers appels, je dirais avec la prospection. Ensuite, ce qui m'a permis d'avoir des ventes, donc c'est à force de faire des appels. Je dois dire que, je ne sais pas, peut-être au bout de mon sixième, septième appel, j'ai eu ma première vente, je pense. Sachant qu'il y a eu des hauts et des bas, parce que notamment, je devais faire une collaboration avec une de mes connaissances qui était aussi influenceuse et finalement ça ne s'est pas fait, donc j'étais très déçue. Mais j'ai toujours rebondi en fait, m'accrocher jusqu'à ce que ça marche. Et je dirais que ça a été vraiment pour moi, ouais, le storytelling qui a permis aux femmes de s'identifier à mon histoire et c'est comme ça qu'elles m'ont fait confiance. Cool. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur tes appels? Ça s'est passé comment les premières fois? Comment tu t'y prenais au moment de présenter de l'offre notamment? Comment ça s'est passé? L'avantage, c'est que comme j'avais déjà, notamment grâce avec les coachings de Mission Passion, j'avais un script, j'étais entraînée aussi avec les coachs, etc. Je ne suis pas partie comme ça, je n'ai pas été lâchée dans la nature, même si bien sûr, au bout d'un moment, il faut se lancer et il faut y aller, même si ce n'est pas parfait. Sans doute que mes premiers appels étaient un peu chaotiques. Mais moi, j'y prenais beaucoup de plaisir parce que c'était pour moi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes et d'aider quelqu'un à un instant T, même si derrière, les femmes ne prenaient pas forcément le programme. C'était pas grave parce que au moins pendant 1 heure, elles avaient discuté de leurs problématiques. Je leur avais donné quelques conseils à la fin et puis ça leur avait apporté quelque chose. Ça leur avait permis de réfléchir sur leurs problématiques et avoir plus de clarté. Donc ça, oui, ça a été mes premiers appels qui étaient sans doute pas parfaits, mais au bout d'un moment, à force de revenir dessus aussi avec les coachs, du coup, d'exposer un petit peu les problématiques auxquelles j'ai fait face, les différentes objections que j'ai eues au moment où j'ai présenté mon offre, à force, ça a marché. Ok. Parle-nous de ta première cliente alors, plus précisément. Comment, pourquoi avec elle ça a matché finalement et comment tu t'es sentie aussi? Pour ma première cliente, c'est vrai que c'était assez inattendu parce que c'était un jour où j'avais eu une mauvaise nouvelle, justement, où la collaboration avec cette connaissance que j'avais qui était influenceuse s'était arrêtée aussitôt qu'elle avait commencé. Donc j'étais
pas forcément dans un très bon état d'esprit. Donc, Hmm. partie, je me suis dit, bon, allez, je vais faire une expérience de coaching, je vais pas faire un appel stratégique. Et en fait, on a tellement eu un bon feeling toutes les deux qu'au fur et à mesure de l'appel, j'ai senti qu'elle voulait que j'aille plus loin. Et comme moi, j'avais déjà fait des appels stratégiques avant, du coup, j'ai switché en fait. Et puis, je lui ai présenté mon offre et c'est parti, quoi. Ok, trop cool, trop cool. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que ça a marché avec elle et pas avec les autres? Je pense qu'elle était prête. Elle-même, dans sa tête, elle était décidée et elle avait envie de se lancer. Et je pense aussi maintenant avec le recul, parce que du coup, je l'accompagne depuis 6 semaines et forcément, il y a une confiance qui se crée. Donc, elle m'en dit un petit peu plus sur elle, etc. Et au moment de la vente, en fait, j'ai pas parlé que de l'acné, en fait. J'ai aussi parlé de la dimension émotionnelle, qui pour moi est aussi importante, voire plus importante que l'acné en elle-même. Et donc, cette première coachée, elle avait une blessure du passé qui nécessitait, en fait, avec laquelle elle n'était pas en paix et qui nécessitait pour elle d'en parler et de tirer un trait là-dessus. Donc, quand on a discuté, elle s'est dit qu'elle pouvait faire deux pierres deux coups, en fait. Enfin, d'une pierre deux coups, c'était à la fois l'acné et à la fois cette dimension émotionnelle pour qu'elle puisse retrouver confiance en elle et s'ouvrir aux autres. Donc, je pense que ça a été les deux éléments, enfin, voilà, qui ont fait qu'elle s'est lancée avec moi. Ok, super, super. Parle-nous de ton offre aussi. On aimerait en savoir un peu plus, quoi, si tu veux bien partager les détails pour qu'on comprenne comment tu l'as construite déjà, pourquoi tu l'as construite comme ça. Ouais. Alors après, oui, mon offre, du coup, comme il y a une dimension quand même santé avec forcément des conseils, déjà c'est une offre sur 3 mois avec du coaching, donc une séance de coaching individuelle par semaine et aussi justement pour la partie santé conseil, une formation en ligne avec des modules qui se débloquent de semaine en semaine. Donc de cette façon, les coachées, elles peuvent avoir accès à toutes les connaissances théoriques via la formation en ligne. Et par contre, en séance de coaching, on ne parle pas de santé, enfin, on parle vraiment que de santé mentale, j'ai envie de dire, on fait vraiment du coaching de vie. Et c'est entre les séances qu'elles peuvent me poser toutes leurs questions sur l'acné, notamment, moi, il y a une grosse partie sur l'alimentation, etc. Et je fais aussi un suivi de leur peau. Semaine après semaine, je leur demande de prendre des photos de leur peau et je suis leur alimentation pour être sûre qu'elles avancent dans la bonne direction et qu'elles puissent avoir des résultats très rapides. Ok, cool. Comment tu as vécu le fait que, bah, tu vois, comme toi, moi non plus, je ne suis pas certifié et la plupart des clients dans Mission Passion ne sont pas certifiés. Comment tu as vécu le fait de coacher des gens alors que tu n'avais pas forcément une grande expérience avant? Comment ça se passe avec eux, avec elles, du coup? Bah d'abord, en fait, j'ai proposé à mes amis en fait de les coacher gratuitement, comme ça, tout à fait pour moi m'entraîner. Ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi suite au retour positif que je recevais derrière. Et je pense que je partais pas tout à fait de zéro parce que j'avais déjà été coachée et puis j'écoutais beaucoup de contenu de développement personnel, même des replays de coaching depuis 2 ans en fait. Donc c'était quelque part un petit peu en moi. Et ça m'a permis d'avoir la confiance. Après, bien sûr, aussi, via Mission Passion, j'ai eu l'occasion d'être formée aussi par un coach, justement, aux pratiques de coaching. Mais je dirais qu'il m'a surtout donné confiance, en fait. Ça a été le fait de se lancer et de se dire que, bah, de toute façon, ce ne sera pas parfait. Et rien que le fait qu'une personne vienne te voir. Et puis discute avec toi et te partage un petit peu ses problématiques du moment. Rien que ça va l'aider en fait. Et ça va être positif pour la personne. Génial. C'est quoi selon toi les qualités qu'un coach devrait avoir, certifié ou non d'ailleurs, qui en ferait un bon coach? Le fait d'être dans le non-jugement. Et de toujours remettre en question ce que dit le coaché. De jamais, jamais le croire content, en fait. Ah, dis-nous en plus, c'est très intéressant. ça, je m'en suis surtout rendu compte pendant les appels stratégiques, c'est-à-dire qu'au début,
Les femmes vont me dire que tout va bien dans leur vie, elles sont super épanouies. Et puis, au fur et à mesure de l'appel, elles s'ouvrent. Et puis, 10 minutes avant la fin, elles vont me dire un truc. Ah, mais moi, en fait, je suis en dépression. Enfin, j'ai vécu un gros traumatisme il y a 2 ans. Et donc, maintenant, en fait, avec l'expérience, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit quelque chose, je me dis, bon, peut-être que c'est vrai, c'est possible, hein. Mais je vais quand même questionner pour m'assurer, parce qu'en fait, c'est pour elle. Parce que le fait que la coachée me mente à moi, c'est pas un souci, mais il ne faut pas qu'elle se mente à elle-même, en fait. Et c'est ça le rôle du coach, c'est de lui faire prendre conscience que de l'histoire qu'elle se raconte, qui n'est pas forcément la vérité, que ce soit positif ou négatif, hein. Génial, génial, Chloé. Sans fausse humilité, comment ça se passe aujourd'hui avec tes clients? T'en as combien et quels résultats elles ont déjà eu? Quels sont les mots? Si je devais les interviewer, elles, justement, qu'est-ce qu'elles me diraient? Donc là, actuellement, j'ai 4 coachés parce qu'en plus j'ai fait une vente hier. Wow, bravo, Je l'ai trop pas cool. dit, mais Ah, trop cool, trop cool. voilà. Donc j'ai 4 coachés qui ont pris mon programme du coup haut de gamme. Et pour les premières, ça fait entre 6 et 4 semaines qu'elles ont commencé et je me rends compte de leur transformation, alors notamment physique au niveau de la peau, mais surtout mentale. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que quand elles ont commencé à changer leur alimentation, pour elles, ça leur semblait impossible. Et puis, finalement, avec le coaching, elles se sont rendues compte qu'elles étaient capables de remettre en place leur routine. Très cool. Ouais, Et imaginons que je sois ton assistant et que tu me payes pour aller faire une enquête de satisfaction auprès de tes clientes. Qu'est-ce qu'elles me diraient verbatim à ton avis? Elles ne peuvent pas deviner, d'ailleurs, elles regarderont peut-être cette vidéo plus tard en replay, mais à ton avis, qu'est-ce qu'elles me diraient à moi? Pas à toi, tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'elles me diraient à moi? Ouais, ça se passe comment l'accompagnement avec Chloé? C'est pas facile de répondre à cette question. Je pense qu'elles diraient qu'elles se sentent mieux dans leur corps, qu'elles ont appris à connaître leur corps depuis qu'elles ont rejoint le programme et qu'elles apprennent aussi à conscientiser leurs pensées, leurs émotions de façon à prendre plus de recul sur tous les événements qui leur arrivent dans la vie. Et tout ça contribue à ce qu'elles aient plus confiance en elles, en fait. Et elles se détachent du regard des autres aussi. Super, super. Je pense que tu m'en voudras pas de parler du fait que pendant. Donc, tu as eu tes premières clientes au bout de 2 mois, à peu près environ, hein, tu as eu un flux de clients. Et après, tu as eu une traversée du désert. Et là, bah, je suis hyper content de savoir qu'hier, tu as closé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi, tu l'as vécu? Pourquoi? Si tu devais analyser un peu cette période où bah, il ne s'est pas passé grand-chose, ce serait quoi ton analyse, ton feedback? Déjà, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu des clientes assez rapidement, c'est parce que je me sentais prête en fait à. Je pense que le fait d'être coach, c'était un petit peu en dormance au fond de moi depuis de nombreuses années. Et du coup, à partir du moment où je me suis autorisée moi-même à être coach, là, j'ai été pleine d'énergie et j'avais tellement envie d'avoir des clientes que du coup. Même si j'avais des appels, qu'au début ça aboutissait pas, je continuais et j'y croyais en fait. J'y croyais, j'étais sûre au fond de moi que ça allait marcher parce que j'étais vraiment prête en fait à accueillir ces clientes. Et après, effectivement, j'ai eu un moment où ça m'a fait peur parce que j'ai eu 3 clientes d'un coup et bon, j'ai toujours mon activité de salariée à côté donc. Déjà, au niveau de gestion du temps, il a fallu que je m'organise, mais c'était surtout que je me disais, OK, alors maintenant, c'est bon, je sais vendre, on va dire que je sais vendre, mais maintenant, il faut que j'assure en tant que coach, il faut que mes clients soient satisfaits. Du coup, j'ai préféré lever le pied un petit peu pour pouvoir vraiment me consacrer sur moi, pouvoir répondre aux attentes de mes clientes et les satisfaire à 100%. J'ai eu un moment comme ça où j'avais encore quelques appels, mais je doute que j'étais un petit peu moins
un petit peu moins convaincante parce que moi-même, je n'étais pas prête à avoir des nouvelles clientes. Et après, bon, il s'est passé aussi des choses hein, dans mon business, tu sais, hein, j'ai eu des challenges Ouais. qui m'ont aussi fait remettre en question ce que je faisais, etc. Et ça m'a provoqué quand même une baisse d'énergie. Et ça s'est ressenti tout de suite dans mes appels. Et quelque part, je me dis que voilà, tout arrive pour une raison et sans doute que ce n'était pas le bon moment en fait pour moi d'avoir des nouveaux clients. Alors c'était très frustrant parce que émotionnellement, au bout d'un moment, je crois que j'ai enchaîné quasiment une dizaine d'appels derrière qui n'ont pas forcément abouti. Et c'était très dur parce que moi en plus, je développe un affectif tout de suite très fort avec mes prospects. J'ai envie de les aider tout de suite. Et c'est vrai que du coup, je ne comprenais pas trop pourquoi elle ne voulait pas prendre le programme, etc. Et en fait, je pense que c'était vraiment dû au fait que comme j'étais dans une énergie basse, j'étais pas dans de bonnes conditions pour avoir des nouveaux clients. Alors, j'ai essayé de lâcher prise, en fait, et de me dire, bon, bah, ça viendra quand ça viendra. Et puis, bon, là, hier, ça s'est débloqué. Donc, Chouette, super. Et c'est top que tu partages ça, quoique tu nous fasses comprendre qu'en fait, la vente, c'est aussi beaucoup toi. Oui, tu tombes sur des bons et des mauvais prospects. Ok, d'accord. Mais ton état d'esprit, c'est-à-dire, toi, tu peux me donner le meilleur prospect au monde si je suis bad, si je suis rabat-joie, si je suis négatif et je broie du noir. Bah, franchement, je ne vais pas faire un bon appel et du coup, je ne vais pas l'avoir non plus, quoi. Donc, c'est comment garder l'énergie au top. Tiens, dis-moi un peu plus pour ceux, par exemple, qui se posent la question de s'ils doivent rejoindre Mission Passion ou pas. Moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux prospects hein, qui veulent rejoindre Mission Passion, c'est qu'on n'est pas là juste pour leur expliquer la théorie. Ça, en quelques semaines, c'était réglé. Mais surtout de les soutenir dans les moments un peu plus difficiles. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ça, sur le fait que quoi? Dans quelle mesure Mission Passion t'a soutenu durant cette période? oui, et justement, ça a été énorme en fait. Et je me dis que c'était une grande chance pour moi d'être dans Mission Passion au moment où justement j'ai eu des challenges dans mon business. Parce que ce soit avec toi ou avec les autres coachs, en fait, j'ai vraiment reçu une écoute et un soutien immense. Même de la part de mes collègues Mission Passion. Hein, carrément, on s'est créé un groupe WhatsApp avec des filles de Mission Passion et on se soutient aussi mutuellement. Donc, c'est en fait, ça a vraiment contribué énormément au fait que je puisse tenir bon et aussi toujours me remettre en question. C'est ça. C'est jamais rester sur ses acquis. Et de toute façon, l'entrepreneuriat et le coaching comme ça, c'est du développement personnel en fait. C'est-à-dire que on grandit en même temps que notre business et ça, c'est fou parce que aujourd'hui, je me rends compte que des traits de ma personnalité qui ne m'ont jamais posé problème dans ma vie, aujourd'hui peuvent me freiner en appel stratégique, etc. Et c'est génial parce que bah, avec Mission Passion, donc, notamment avec les coachs en développement personnel, etc., on peut en même temps travailler là-dessus pour faire en sorte que le business puisse grandir en même temps que nous. Tu veux nous donner un exemple peut-être pour illustrer ça? Oui, bien sûr. Bah, moi, du coup, je suis assez people pleasing, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est que j'aime beaucoup faire plaisir aux gens. Mais bon, en fait, quand on est people pleasing, c'est qu'on veut se faire plaisir à nous-mêmes. Hein. C'est qu'on veut que les gens nous aiment. Hein. Et justement, avec la coach en développement personnel, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'était plus un frein dans mon business. Parce que quand les prospects ne voulaient pas s'engager avec moi, comme je disais, je le prenais très personnellement et ça m'affectait. Sauf que derrière, comme j'étais affectée, bah forcément, je postais peut-être moins sur Instagram où j'étais moins enjouée et puis la façon de faire était peut-être moins alignée. Donc, bah, tout ça entraîne que au final, les gens se sentent moins attirés par toi et tu vends moins. Enfin, voilà. Chloé, tu vois, nous, on a travaillé sur une liste de notre cliente idéale et c'est vrai que toi, tu as beaucoup de qualités qui répondent à cette liste. Et une qualité qui m'a toujours impressionné parce que c'est pas
tout le monde qui a cette qualité, c'est que jamais, je t'ai jamais entendu me sortir des excuses, te raconter des histoires. Tu as toujours assumé et été responsable. Et même dans les moments difficiles, tu pouvais être triste et affecté, mais tu ne te plaignais pas. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Pas tellement pour te vanter, mais pour aider ceux qui nous regardent à comprendre ça. Parce que pour toi, c'est peut-être évident, mais ce n'est vraiment pas évident pour tout le monde. Donc, en quoi ta capacité à prendre tes responsabilités et à ne pas te plaindre a fait ton succès, à ton avis? Après, c'est vrai que je me plains un petit peu auprès de ma famille. Et de... Ça, bon, comme tout le monde, j'imagine. Non, mais par contre, prendre la responsabilité de ses émotions et de ses actions, ça, c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est fondamental et que j'ai compris, je dirais, justement, lors de ces dernières années où j'ai beaucoup travaillé sur le développement personnel. Et je dois dire que même mon histoire, rien que l'acné que j'ai eue, par exemple, quand j'ai eu de l'acné, j'ai eu une grosse période où j'ai blâmé en fait l'univers à me dire mais pourquoi moi j'ai de l'acné à 26 ans, c'est pas normal. Enfin, j'essayais en fait comme ça de rejeter la faute sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. Et en fait, c'est vraiment à partir du moment où j'ai pris mes responsabilités et où j'ai compris que non, en fait, si j'ai de l'acné, c'est parce que j'ai une mauvaise hygiène de vie, c'est parce que j'ai pas su écouter mon corps, c'est parce que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, c'est de ma faute en fait, wow. Si j'ai de l'acné. Et ça a été dur, hein, forcément, quand on se rend compte de ça, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de se dire ça que de se dire que c'est de la faute de l'univers ou qu'on n'a pas de chance, etc. Parce qu'au moins, on a le contrôle dessus, on a le contrôle sur nos actions. Ça, alors que. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de se dire qu'on a le contrôle sur les choses et qu'on peut changer les choses. Moi, je préfère me dire que j'ai le contrôle sur mon business et que ce qui m'arrive, bah, finalement, c'est qu'un résultat des actions que j'ai mises en place. Et du coup, quand je suis face à une difficulté, je me dis, bah, OK, maintenant, quel état d'esprit je dois avoir pour me sortir de cette situation, pour mettre en place les bonnes actions qui vont m'emmener au résultat que j'ai envie d'atteindre dans mon business. Voilà. Super. Chloé, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui sont là et un piège à éviter que tu donnerais? Ouais, c'est complètement hors script. Hein. On t'avait envoyé quelques questions, mais là, tu imagines bien qu'on est parti très loin. Donc, un conseil que tu aimerais donner? Et un piège à éviter que tu aimerais partager? Le conseil, ce serait croyez en vous et ne lâchez jamais, en fait. C'est comme ça que vient le succès, c'est en continuant, en s'acharnant, même quand on est un peu désespéré. Et ça finit toujours par payer, en fait, quand on s'accroche et qu'on croit en soi. Et si jamais on croit pas en soi, bah, du coup, les coachs sont là pour nous aider à croire en nous. Et un piège dans lequel ne pas tomber, je dirais que c'est le fait de ne pas s'écouter. Ça, justement, je dis ça parce que c'est le piège, c'est ma plus grande problématique du moment, en fait. Le piège dans lequel je tombe un petit peu, justement, c'est... On est tellement enthousiaste à travailler dans notre business, qu'on a envie de faire les choses bien. Et c'est important quand même de s'écouter et de se dire que bah, si on est fatigué, on est dans une mauvaise énergie et forcément, ça va se ressentir d'une manière ou d'une autre dans notre business. Donc, parfois, c'est bien de faire une pause et pour repartir plus fort. Ça, je dirais que ouais, c'est le piège dans lequel ne pas tomber, c'est de vouloir en faire un peu trop. Okay. Waouh, super Chloé. Je te laisse le mot de la fin. Comment tu aimerais terminer cet entretien? Quel est le message que tu aimerais laisser aux coachs qui se lancent et qui veulent vivre de leur passion? Je dirais ça rejoint un petit peu le fait de croire en soi et de travailler sur soi aussi, toujours se remettre en question
et se dire que si nous on est coach, ça veut dire qu'on a besoin d'être pas forcément d'être accompagné, mais au moins de s'auto-coacher nous-mêmes et de mettre en place les conseils, d'appliquer pour nous-mêmes les conseils qu'on donne à nos coachés. Ouais, cool. Cool, très bien. Super, merci beaucoup Chloé, c'était formidable. Et allez découvrir Chloé, allez découvrir Chloé, allez voir comment elle a évolué aussi et vous allez beaucoup apprendre en l'observant. Top, merci Chloé. Merci.